Bonjour à tous. Nous allons maintenant voir le chip roulé. Le chip roulé, c'est une approche de bord de green en général, dont la particularité est que la balle va voler un tiers et rouler deux tiers de la distance. Un tiers, deux tiers, c'est plus ou moins. Vous adaptez suivant le club que vous jouez, la distance que vous avez, mais globalement, c'est un chip pendant lequel la balle va plus rouler que voler. La particularité de ce chip, une fois encore, c'est que comme on veut faire rouler la balle, on va la mettre un petit peu plus en arrière dans le stance. Donc pour moi qui suis droitière, je vais la mettre un petit peu plus sur mon pied droit. Je vais mettre les mains un petit peu en avant. Donc mon club va presque pointer vers ma hanche gauche. Et ce que je veux par-dessus tout, c'est que pendant tout le swing et jusqu'à la fin, mes mains restent légèrement en avant par rapport à la face de club, comme ça. En comparaison avec un coup comme ça, qui va provoquer des contacts assez irréguliers. Si je réussis à garder toujours mes mains légèrement en avant par rapport à ma tête de club, mes contacts seront réguliers et donc mon chipping plus efficace. Démonstration. Bonne partie! Alors, prêt à affronter le parcours?